c'est comme ça. Moi, je sais que cette vie-là, j'en ai pas envie. Mais pour rien au monde, j'ai envie de... Faudrait vraiment que j'ai couteau là, pour le faire. Moi, j'ai bossé, je fais des trucs de fou. Hein. J'ai eu des super boulots dans ma vie, mais j'ai eu des boulots de merde aussi. Alimentaire, t'es obligé, mais t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est ça que tu finis à la rue. Tant que je peux éviter, j'évite. Et l'alcool, du coup, je me suis battu des années. Tous mes loyers sont un jour à me foutre. L'assistance sociale m'a dit, je sais que le monde à l'envers. Non, il y a des gens, ils m'ont dit, laisse-toi pas à ça. Laisse-toi pas faire. Il y a des recours. Tu dis, ok, tu t'en vas. Ah, comment il faut faire alors? Ah, mais ils vont te faire des propositions. Ah, bah il faut. Dans les, HLM, machin truc. Mais il pouvait y avoir des trucs bien. Il peut y avoir des... C'est plus les HLM, genre on vous met à l'Ariane. Il manque une bricole. Maintenant, il y a quand même. Ça a quand même un peu évolué. Ça, ben, regarde là, là c'est HLM. Donc c'est fini, genre on vous balance à l'Ariane. Bah parce que. Et puis l'Ariane, c'est pas si pourri que ça. Non, il y a des endroits. Putain, les chiens, elles sont grandes là-bas. Moi, je m'en moque. Moi, j'attends un peu et puis je rechercherai notre appartement. Mais j'attends un peu. Mais chaque chose en son. Il faut un an pour me remettre un peu. À flot. Pour l'instant, déjà, ça va. Oui. Je me plains pas trop. Mais gratte ce que tu peux gratter, tant qu'à faire. Tu sais, Stéphane, hein, mon ex. Stéphane, on s'est connus, ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est un mec qu'on s'est connu à Villefranche. On a une petite aventure comme ça. Moi, je me remettais doucement d'une rupture, lui aussi. C'était plus un peu comme ça, foufou, quoi. Une belle amitié, tu vois. Et on s'est séparés, il est retourné à Aix, tout ça. Et vraiment, le hasard qui n'existe pas, mais a fait qu'on se revoit, comme ça. Et là, on a passé un an et demi ensemble, quand tu l'as connu, sûrement. Ouais. À ce moment-là. Et putain, c'est 10 ans que je connaissais, il vient de Suède, ses parents avaient les moyens, ont les moyens, c'est un fils d'ambassadeur, tu vois, c'est pas n'importe qui, mais je dis, mais t'as déjà au moins songé à toucher le RMI, quoi, le RSA, ce que tu veux, quoi. Bon, non, hein. Il puisait tout sur la cagnotte de sa mère, sa retraite, et c'est moi qui l'ai pris par la main, hein. Je suis à Aix, j'ai passé 15 jours à Aix pour lui. Maintenant, il est content, il a tous les mois, il a son argent de poche. Au moins, c'est toujours ça qu'il pompe pas à sa mère, tu vois. Voilà. Tu comprends? Ouais, c'est aussi simple que ça. Tu le mérites, t'as bossé toute ta vie. Ah, moi, je tape sur mes économies, mais d'ici un an et demi, j'ai rien. J'ai plus rien. Et après, si ça se passe comme ça, après. Bah, c'est pas bon. Après, par contre, c'est moins la rigolade. Et en plus, t'as une copine autour de toi, Nathalie, qui ouais, est très. Hein, elle sait faire ça normalement. Faut pas te laisser comme ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, le mec, enfin, là, avec les sept verbes et tout, tu essayes de retaper le bel nom et tout. Non, mais c'est un truc de fou, je trouve. Un truc de fou. Mais il est content de toucher le RSA. Puis, en plus, il a eu tout le rappel. Il s'est touché 11 000 euros comme ça. Et alors? Mais je l'ai emmené par la main. Il était content. Il était content. Après, ouais, c'est... moi je me laisse aller un peu, mais bon, après j'ai des raisons aussi. Je comprends, mais justement, tu sais, il suffit d'un petit grain de sable, tac, décroché. Si toi par exemple, cet argent que tu peux toucher là, si tu fais rien, tu touches rien. Et ce petit truc que tu peux toucher, bah tu vas te repasser un petit week-end à la montagne avec qui t'auras envie. Ou retaper un peu ta golf, tu vois, connerie comme ça. Hey, c'est l'argent qui t'est dû, on te doit. Il suffit à toi d'aller te le chercher. Ouais. T'as bossé toute ta vie. Normalement. Bah voilà. Si c'est pas toi, c'est tes parents. Moi, mes parents, ils ont eu que de chier. Hein? Alors merde. C'est pour ça que maintenant, j'ai. Si c'est pas moi, c'est Mouloud. C'est sûr. Eh ouais, c'est aussi simple que ça. Moi. Et je suis pas raciste, mais ils se gênent pas eux. J'essaye de faire des trucs, j'ai dit, je suis allé au stage, là machin, la bonne femme. Après j'ai dit, vendredi j'ai dit, attendez, moi, ça fait 4 fois que je viens vous voir à Villeneuve-Loubet, je paye la moto, l'essence, l'autoroute, on fait que tchatcher toute la journée, j'ai dit, moi j'en ai marre de ça, je me casse. Et je me suis cassé. Tout le monde c'est des fictifs. Tu vas pas les bonnes personnes. Ouais mais il faut connaître, c'est pas les bonnes personnes. On te le dit, Christophe il te le dit, qui allait voir, moi je te dis qui allait voir. Moi, tu sais, c'est comme ça que j'ai les infos. Ah, pas, hein. Ah bon,
j'en ai eu marre, hein. Ça y est, nouveau stage, machin. Bah, bah, quatre jours, je suis allé à Villeneuve-Roubaix, faut payer l'autoroute, faut payer l'essence de la moto, j'arrive là-bas, j'ai mal au dos, et toute la journée. Médical, ils viennent de te rallier, hein. Ah, ouais, ah bah tu dis ouais ouais c'est sûr, et après si t'as plus ça, t'as quoi? Le RSA. C'est ce que j'ai. On conjugue le truc là. Je sais pas. Dommage que ça manque de bois sont. Ah mais je me démerde. Ben tu sais, moi je suis dans la mer jusque là, hein, mais je suis obligée de me battre, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me retrouver sous les ponts. Hein. En plus moi tous mes loyers sont payés, quoi. Tous mes loyers sont payés. Putain. Putain, je vais essayer de ne pas passer au tabac. C'est faire clore jusqu'à demain matin. Ça va être chaud. Ah putain, merde. Ah, oh pardon, excusez-moi. Données mobiles désactivées. Bon, et pourquoi? Parce que tu vas être surfacturé. Limite d'utilisation. Oh. Je peux regarder bah, sur ton bah, téléphone. Non mais c'est ça, je sais, c'est ça, je sais. Tu connais ton forfait, c'est un 20 giga. Ça filmait le truc là? Non. Ça filmait le son?